part de l'Alsace-Moselle, en fait, qui a été annexée en 1940, pas occupée, comme ça a été le cas pour le reste du territoire, mais bel et bien annexée. Et à partir de 1942, les Allemands décident l'incorporation de force des jeunes gens en âge d'aller combattre de la région. Et le levier qu'ils vont utiliser pour convaincre, enfin c'est pas convaincre parce que c'est de force, pour envoyer ces jeunes gens au front, c'est de menacer les familles en fait en cas d'insoumission, de désertion, de refus de se rendre à la, d'obéir à l'ordre de mobilisation. C'est-à-dire que les familles pouvaient être déportées dans des camps de travail en Silésie, dans les Sudètes, ou en camps de redressement, ou il y a aussi eu des exécutions lorsque, des malgré nous insoumis, enfin, donc toutes sortes de moyens de pression. Et tout ça, ça a été décidé en 1942. Les malgré nous, ça concerne aussi d'autres pays qui ont été annexés par l'Allemagne, le Luxembourg, la Pologne, la Belgique peut-être, je ne suis pas sûr, des pays qui étaient autour du territoire du Reich. Ça a impliqué mon histoire familiale, cette histoire de malgré nous, parce que mon père en faisait partie. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'il y en a 130 000 en fait en France. Il y a eu 130 000 malgré nous, 100 000 en Alsace, 30 000 en Moselle, et 40 000 ne sont pas revenus en fait. Ils sont morts ou portés disparus. Mon père a été l'un de ces malgré nous. Il a eu la chance de s'en sortir parce qu'il était sur des. Enfin, il a fait la bataille des Ardennes notamment, et puis après il a été sur le front russe après la bataille des Ardennes contre Hongrie, et puis il a été fait prisonnier par les Américains en mai 45. Donc c'est son histoire que j'ai voulu raconter avec cette particularité, cette double peine pour lui. C'est qu'il a été non pas incorporé dans la Wehrmacht, mais incorporé dans la Waffen-SS. Voilà. Ce qui rend la chose encore plus compliquée et le silence encore plus lourd quand on a vécu ce qu'il a vécu. Et ça a été le cas pour un bon nombre de. Enfin, ils n'ont pas été, par rapport à l'ensemble des malgré nous, ils ont été moins nombreux. Mais ça a été le cas parce que, notamment après les batailles du front de l'Est, l'armée. La Waffen-SS était décimée, donc il fallait de la chair fraîche. Et ils ont été en chercher aussi dans les territoires qu'ils ont annexés. Voilà, notamment la classe, les jeunes nés en 1926, pour moitié ont été versés, je crois, dans ces unités-là. Voilà. Et mon père avait eu la malchance d'être né en 1926, d'être assez grand, d'avoir un profil qui devait leur plaire, puisque voilà, les yeux bleus, les cheveux un peu clairs. Donc ça participait, tout ça, à son sort. Alors, il n'y avait aucun secret de famille là-dessus, en fait. Voilà, je savais... peut-être l'histoire de la Waffen-SS, j'ai su un peu plus tard. Mais en tout cas, non, ça faisait partie des choses que j'ai su très, très jeune. D'ailleurs, dans le livre, je raconte ces moments où il me le raconte et où je les découvre. Et donc il n'y a pas de secret de famille, c'est juste que ça ne sortait pas de la famille restreinte. Voilà. C'est une chose qu'on pouvait... l'histoire des malgré nous en général, si, dans la région en tout cas, ça, les gens savent de quoi il s'agit, donc on peut le dire. Malgré nous, dans la Waffen-SS, c'est un degré qui fait que... Voilà, on n'en parle pas, évidemment, et encore moins en dehors de la région, évidemment. C'est une histoire que je porte depuis longtemps, j'ai eu envie d'en faire un livre il y a très longtemps déjà, sans vraiment savoir comment m'y prendre. Il a fallu que tout ça mûrisse. Je crois que ma motivation, c'était de briser un peu le silence qu'on avait imposé à tous ces gens, et à mon père notamment, ou le silence qu'ils s'étaient imposé eux-mêmes, parce que... et pour moi, c'était comme des otages, en fait, à qui on avait demandé de se taire, et des victimes dont on ne voulait pas connaître l'histoire, en fait. Voilà. Enfin, y avait quelque chose
de honteux et cette douleur-là, en fait, d'avoir vécu ce qu'ils ont vécu sans pouvoir en parler, en fait, il y avait une volonté un peu de prendre une revanche sur le silence, quoi. Voilà, c'est ça. Et je crois que le livre, c'était le moyen idéal pour ça, parce que c'est pas une chose qu'on peut expliquer en 5 minutes sur un coin de table. Ça a besoin de, voilà, on a besoin de poser les choses et c'est ce que j'ai tenté de faire. Voilà. Non, c'est vrai que le procédé que j'utilise, c'est j'ai essayé de nouer, enfin de traiter en parallèle l'histoire de mon père et l'histoire de ma mère, en m'adressant à mon père directement, en lui disant tu. Et je vais d'une histoire à l'autre comme ça, sachant que j'ai quand même plus de matière et que mon père prend à un moment donné une part plus importante vu voilà, son parcours de malgré nous. Mais j'essaie de tenir ces deux histoires en parallèle jusqu'à leur rencontre et jusqu'à l'après-guerre, en fait, après dont je parle aussi plus brièvement. La question que je me suis posée, c'est est-ce que ce puzzle incomplet en fait, dont j'avais hérité, est-ce que j'allais y mettre des éléments fictionnels? Est-ce que j'allais ajouter des choses, en inventer? Et assez vite, je me suis dit que j'avais pas envie de brouiller les cartes, que les choses étaient suffisamment romanesques de par leur réalité pour qu'elles, ouais, elles méritent d'être dites telles qu'on me les a racontées. Et donc, je m'en suis tenu aux éléments de témoignages que j'avais. J'ai fait des recherches historiques, évidemment, pour adosser la petite histoire à la grande. Et à part mes questionnements, en fait, mes suppositions que j'exprime aussi, j'ai rien inventé. Voilà,